Ah, on va partir en cucu, tu sais, dire le monde ou ouais, c'est un pays. Bah, moi, je suis là, quoi. Enfin, même à Toulouse, quand je parle comme ça, on comprend, quoi. C'est plus dur aux Stex. Aux Stex, quand je parle comme ça, ils disent qu'est-ce que tu dis. Bah, à Toulouse, on comprend. La France, c'est bien. Moi, j'aime bien. Bon, je ferais bien quelques petits réajustements quand je serai président de la République. Mais dès qu'on a fini de faire les cons ensemble, je vais commencer à réfléchir, à peut-être me présenter. Ah oui. Bah Macron, il a bien réussi, t'as vu. Ouais, mais c'est quand même un petit branleur qui a niqué sa prof de maths. Alors. Et je te vois bien représenter le pays. Oui. Ah oui. Mais avec des bons... avec des gars pour... pour t'aider, moi. Ouais. Pour m'aider, parce que... Je t'aiderai, moi. D'accord. Sur quel sujet? Moi, je suis pour un chaussé, tu vois. Pour un chaussé, quoi, ministre de la Culture, ça t'irait bien? Non. Non. Je suis pas ministre de quoi, toi? Des ministres de la gamme. C'est incroyable. Allez. Donc c'est pas le contenant. Je vais vous tuer. Si, c'est le contenant. Non. C'est un verbe. C'est pas le contenant, alors. Si j'étais un verbe, moi je serais le tonneau. C'est le plat. Moi j'ai trouvé, mais je vais vous tuer à la fin, je le sais déjà. Ah oui. C'est toutes les mots qui dégainent en premier, là, qui dégainent à la fin. Ah oui. Le cul, tu vas deviner. Oui, je vois bien. Moi c'est le verbe. Ouh, je croyais que j'allais te smatcher, mais c'est bien ça. Pas mal. Claude? Oh, je sais pas du tout là pour l'instant un verbe. Ne prends pas à voir, ça se fait pas du tout. Bon, être c'est mieux. Moi je choisirais le verbe aimer. Ah ben voilà. Et toi Claude? Léger avertissement. Non. Pété, t'avais dit? Non. Non plus. Si tu fais par élimination. Casse! Cadir, c'est pas merde. Cascader? Si. Cascader, c'est un verbe. Ah si, bah en tout cas depuis aujourd'hui, sûr. Ah bah puis depuis Révivienne. Clap de fin, c'est un décor. Deux personnes s'ennuient dans une même pièce. Non, je dirais plutôt les vieux de la vieille ou je sais pas. Les vieux trucs à la Audiard, machin, la bande ouais, de potes, ouais, ouais, tous, ouais. Tous ces mecs qui rigolaient, ils étaient tellement. Enfin, ils en ont raconté plus que dans leurs films, parce que quand on entend un petit peu tout ce qu'ils ont vécu, c'est fou furieux là, ils en ont fait des bois. Le prophète des chiottes, c'est un court-métrage toulousain. Si, c'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Ok, d'ailleurs je prends des cours de danse à regarder Eric Larraine. Des fois je te pique des gestes sur scène quand t'es pas là. Ouais. Mais improviser un truc du ventre, c'est vraiment. Moi j'ai appris avec Eric à quel point on peut mettre une intensité folle dans des endroits où on se laisse aller. T'as un rapport au public et une petite transe et tout. Moi ouais, si j'étais dedans ce serait n'importe quoi, mais de tout mon cœur. Moi, je suis un peu raide à la base, donc je suis un peu gêné. Toi, tu fais plutôt danser. La danse, quoi. Mais il faudrait une danse, par exemple, qu'on fait cœur et les doigts, tu vois. Ouais. Moi, je serais partisan de la valse acrobatique. Par filiation, par amitié, par histoire, je dirais bien une chanson de Le Prest, mais alors là, à ce moment-là, je la cite pas. Et il y en a une que je cite souvent, elle n'est pas de lui. C'est une chanson qui m'a beaucoup touché. Je trouve que c'est j'aime bien faire les chansons d'amour parce que comme ça, après les concerts, on peut. Non, putain, si ma femme elle tombe là-dessus, je suis mort. Ah oui, oui. Mais Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins, je trouve que c'est une vraie réussite. Mm-hmm. Enfin, une vraie réussite, c'est nul en plus. Mm. Non, enfin bon, ça m'a troué le ventre. Faut pas le cul.
J'en connais pas, je crois. Bah, si la grosse bite à de l'huile ou je sais pas, vas-y. Mais je la connais pas entièrement, quoi. Putain, on est là pour faire des spectacles de chansons françaises. On répond à toutes les questions, il y en a pas. Sauf celle-là. C'est pas très grave. Moi, une bouteille de vin étoilé ou alors de divers pays de la communauté européenne. Je prendrais un Chianti. Donc c'est pas le contenant, hein. À cause de la paille. Ouais, mais là il y a les deux. Ah. Ça fait vin et contenant, quoi. Les Chianti, il y a la paille et le vin, quoi. Le frère à ma mère, il fait du vin, en fait. Et j'aime bien, parce que c'est un peu n'importe quoi, il rajoute du sucre et tout. Et en fait, voilà. Le vin... Silvio. On dirait d'en parler pendant un jour. Il y a le festival du vin bio dans Paris. C'était Mimille qui citait son père. Il y a des jambons, mais certains aussi sont secs. Mmh, c'est bien. Il y en a une. Un jour, il y aura autre chose que le jour. Et on l'appellera Jodel. Ça sera bien plus beau, mais ça sera bien plus cruel. C'est bien, hein? C'est ouais. Bon, ah, vraiment, il faut du temps, là. Je sais pas du tout. Hein. Mon cher bijou. Mon petit bijou. Mon petit bijou. Gros bijou, mon bijou. Oh, écoute, franchement, hein, depuis que tu es né, on est tellement content de t'accompagner. Au début, bien sûr, c'était un peu dur. Hein. Pour les bijoux? Oui. Oh, après, ils sont fait serrer les chaises. Oui, voilà. Mais là, maintenant qu'il a grandi, puis il y a 30 ans quand même, maintenant il va pouvoir quitter ses parents. Ça veut dire quoi? Il va repartir au pays des salles de spectacle? Claude, souhaite un bon anniversaire. Oui, va. Ou alors tu nous files un là et on fait une chanson. Hein. Mm. C'est un là, ça? Joyeux anniversaire. Un bijou. Joyeux anniversaire. Un bijou. Joyeux anniversaire. Un bijou. Joyeux anniversaire. Tu le diffuses pas avant le spectacle de soir, sinon les gens ne viendront pas. Et que l'infini nous soyons tous réunis. Ouais, je la connais pas cette fin. C'est Jacques Lantier. Hein? Jacques Lantier. Jacques Lantier. Nos vieux les plus sincères, nos vœux les plus sincères, quelques fleurs vous apportent le bonheur. Ça y est, bah en fait, t'es à fond. Que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'infini. Mais c'est ça ma citation. Nous soyons tous réunis. La citation. Et du coup, ben tiens, il est à fond. Donc maintenant, un livre. Ah, mais j'ai pas dit. Le 22h04, j'ai terminé.